Quelqu'un est passé par là. Il y a des croisements.
Elle remonte au papa Léo, le papa de Léo. Paléolithique. Ça ne nous rajeunit pas. Je n'aurais pas aimé vivre à cette époque. Croiser un magnifique en sortant de ma grotte, c'était pour moi. Moi, idem. Allez, viens me donner un coup de main. Je demande de vilain. Tu as raison. Des gens ont dû s'introduire dans le musée. Pourtant, il n'y a personne. J'ai vérifié il y a 10 minutes. Dans quel collège sommes-nous? L'Antiquité. Et dans ce cas-là, Égypte ancienne. La musique vient de ce sarcophage. Après. On dirait que ça gigote là-dedans. Ce n'est pas très rassurant. C'est comme si quelqu'un était découvert de l'intérieur. N'insistons pas. Autant observer ce qui va se passer à une certaine distance. Bien dit, Gabi. Oh, ils sont baillés de sang, ils jettent dans son sarcophage.
y avait bien une momie couverte de bandelettes et des danseurs. A priori, oui, c'était peut-être une hallucination. On a dû le rêver. Il faut continuer avant nous. Pourvu qu'on n'ait pas d'autres nouvelles surprises. Cette statue? Oui, cette race qui vient de Grèce. Tu crois? Et là, Jupiter, le dieu romain, il fait de la musculation. Il n'a pas l'air commode. Moi, je n'en ai pas là. Moi non plus. Thank you.
Pas toi? Si, on dirait que c'est la fête, comme sur ce tableau de Bruegel. Il est vieux? Bruegel? Il est mort depuis belle lurette. Mais non, le tableau, la danse de la mariée en plein air. Si je ne dis pas de bêtises, il date de 1566 environ. Ça nous rajeunit pas. Nous? Du musée doit dormir. Tu as raison, Maëlle, elle n'en sera rien. Ça se passe? Non, pas moyen. Aïe, aïe, aïe.
une sensation et on va gagner des fortunes, soit on est viré. Ou les deux. Là, c'est là. Faites comme moi, si il est. C'est de là. Là est la question. Ils ne t'ont pas loupé. Ça te plaît? C'est-à-dire que je reviens avec moi, je viens en toi avec mon père. Léonard de Vinci doit se retourner dans sa tombe. En revanche, Archimboldo est adoré. Je mens. Pas moi, je ne suis pas libre. Tu es prêt? Tu me baisais comme la dernière fois? D'accord.
les gardiens du musée. Bah, je sais pas. Ça manifeste la salle d'à côté. Napoléon est descendu du tableau de David. Tu peux me croire. Vlan, coup de poing du droit, Napoléon a eu 36 chandelles. Bah, ça fera des économies d'électricité. Ça fera des économies d'électricité. Il faudrait quand même mettre les gardiens au courant. C'est leur boulot. Il est temps de regagner notre tableau pompier. Y'a pas le feu au lac, hein. On ne sait jamais. Thank you.
Il a dû s'échapper du tableau de Manet. Flûte alors. Non, filtre alors. Bien, mais il faut le rattraper. Thank you.
J'en parlerai à mon cheval. Voilà. Mais ce n'est pas le mien. D'où sortez-vous donc? Vous pouvez compter les points, le point ouvrez les guillemets.
Yeah.
Voici ma salle favorite. Il y a des tableaux de différents peintres du XXe siècle. Ce n'est pas ma tasse de thé. Je n'y comprends pas. Pourtant, je ne suis pas bien heureux. Tu n'aimes pas les couleurs? Ah, si. Tu n'aimes pas les formes? Si. Tu n'aimes pas les volumes? Si. Quand il y en a. Alors? Pour moi, ça ne veut rien dire. C'est abstrait. On ne peut pas dire le contraire. Fixe le tableau. Laisse-toi attirer. Plonge à l'intérieur. Fascinant, non? Eh oh Maël, tu m'entends? L'abstraction a encore frappé. Thank you.